Philippe Elilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle que vous êtes politologue et analyste, et ensemble, je voudrais que nous essayions d'analyser justement la situation avec les derniers développements, qu'ils soient politiques ou plutôt juridiques, parce qu'on peut dire que la justice, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois, eh bien, est très dominante également, en particulier ce matin, avec la décision du conseiller juridique du gouvernement, la décision du ministre de la Justice, Amir Ohana, de nommer au poste de procureur de l'État par intérim une juriste qui était jusqu'à présent relativement inconnue, Orly Ben-Harry Ginsberg, au poste de procureur de l'État. Alors une nomination que le ministre a l'intention de défendre devant la Cour suprême, s'il devait y avoir des recours devant la Cour suprême, mais une nomination qui est loin de faire l'unanimité et qui suscite la colère, on va dire, au parquet et chez le conseiller juridique du gouvernement qui s'oppose à cette nomination. À votre avis, dans ce bras de fer de plus en plus ouvert entre les deux, entre le ministre de la Justice et Avichai Mandelblit, qui a raison ? Écoutez, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est est-ce qu'on pouvait nommer une personne actuellement alors qu'on est dans un gouvernement de transition ? Et est-ce qu'on pouvait aussi nommer cette personne sans l'agrément du conseiller juridique du gouvernement, alors que la tradition, c'était de prendre son avis, et son avis avait un caractère, non pas décisionnel, mais disons décisif. C'était la première question. Et la deuxième question, c'était la compétence de cette dame, de cette juriste professionnelle, dont personne ne conteste les qualités, mais qui apparemment n'a pas tout à fait le même niveau que ses prédécesseurs et pas tout à fait le même parcours que ceux qu'on retient d'habitude. Alors, il y a ces deux questions. Moi, je crois qu'on est dans un vrai débat. On est dans un vrai débat juridique. Je voudrais avoir une précision, Philippe, parce que est-ce qu'il s'agit d'une nomination ? Parce qu'apparemment, d'après ce que l'on comprend, il s'agit tout de même, malgré tout, d'une nomination provisoire, pas d'une nomination permanente. Moi, j'ai pu comprendre que c'était la nomination, en fait, de l'adjointe au procureur qui serait nommé plus tard. Mais voilà, tout problème dans ces questions juridiques, c'est que. Et c'est là où on voit d'ailleurs la difficulté d'un pays sans constitution et avec un droit écrit finalement assez léger. C'est que sur des questions aussi importantes, mais on pourrait prendre d'autres exemples au moment de la formation du gouvernement. Est-ce que un ministre, est-ce qu'un député mis en examen peut former un gouvernement? Sur des questions aussi importantes, il y a des lacunes qui, à mon avis, sont quand même très sérieuses. Vous pensez une constitution, elle aurait pu couvrir tout ce cas de figure-là ? Non, une constitution, c'est que pas la constitution française. On vous entend mal, Philippe, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez vous réorienter là pour qu'on puisse mieux vous entendre ? Parce que vous entend vous pas. M'entendez mieux ici ? Voilà, là c'est un petit peu mieux, oui. Écoutez, le problème, c'est que dans la constitution française, par exemple, vous avez tous les principes qui sont fixés, et ensuite, vous avez des lois organiques qui précise les choses de façon extrêmement détaillée. Par exemple, pour la magistrature, vous avez une loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc là, tout est prévu. Donc voilà, moi je crois qu'on est tout à fait dans ce genre de situation. Alors pour répondre à votre question, qui a raison, qui a tort, moi je dirais que on est dans une situation où chacun joue son jeu. Et oui. Chacun joue son jeu parce que en l'absence de droits très précis sur ces questions, eh bien Amir Ohana, évidemment, ministre de la Justice, alors que son ami Premier ministre est mis en examen, a tout intérêt à nommer des gens qui ne poseront pas trop de problèmes. Et le conseiller juridique du gouvernement, lui, je crois simplement qu'il fait son métier et qu'il dit, voilà, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, dans l'un des arguments d'Amir Ohana, il affirme que, d'une certaine manière, le seul problème pour lequel cette juriste, Orly Ben-Harry, n'est pas, on va dire, au sommet de la hiérarchie juridique du parquet, bien qu'elle soit au parquet depuis près de 30 ans, c'est justement parce qu'elle s'est opposée à l'approche de Shai Nitzan. Et cela veut dire, justement, c'est le reflet, quelque part, d'une sorte de pouvoir dans le pouvoir, de pouvoir juridique dans le pouvoir de l'État, qui s'est instauré, on va dire, au sein du parquet ces dernières années, et que peut-être Amir Ohana voudrait... Il faut se méfier des déclarations, parce qu'on sait que Shai Nitzan est devenu la bête noire du Likoud, bien plus que les hommes politiques, et donc, et en plus, comme il part maintenant, tout le monde lui tape dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la carrière de Shai Nitzan, il y a eu deux périodes. Oui. Il y a eu une période où il ne suscitait aucune polémique, sinon plutôt à gauche, qui disait que finalement, c'était quelqu'un de très timide,
lorsqu'il s'agissait de mettre en cause des politiques. Et puis la seconde période, c'est celle que nous vivons, où on sait qu'il a joué un grand rôle dans la mise en examen de Benjamin Netanyahou. Déjà depuis un an, il était archi convaincu de sa culpabilité. Donc on est dans cette période, et donc il y a des divergences, c'est assez normal d'ailleurs, tout corps de métier, il y a des divergences, mais moi je crois que là on est plutôt dans la polémique Amir Ohana contre Shai Nitzan, Likoud contre Shai Nitzan. Est-ce que sur le fond, vous pensez que quelque part le parquet mérite que l'on se penche, que l'on s'y penche, que l'on y jette un coup d'œil, mérite au vu de ce qui s'est passé au cours des dernières années d'être l'objet, on va dire, de contrôle plus régulier de la part d'un on va dire d'une instance de contrôle qui pourrait vérifier ce qui se passe à l'intérieur du parquet si vraiment toutes les décisions sont prises de manière, on va dire, ignanite, comme on dit en ivrite, c'est-à-dire de manière très, très désintéressée, on va dire. Oui, alors en droit français, on dit qu'il juge en droit, on vérifie s'il juge en droit ou en opportunité. Oui. Moi, je crois que l'immense majorité des procureurs en Israël sont des gens professionnels qui jugent en droit. Si ou là, il y a pu avoir une décision d'opportunité, on ne peut l'écarter. Le problème, et moi je le prendrais plutôt à l'envers, prenons d'ailleurs l'exemple français, où le parquet est nommé et contrôlé étroitement par le ministre de la Justice. Oui. Cela fut l'objet d'une polémique incessante, parce qu'on sait que des hommes politiques très importants ont, pendant des années, échappé ainsi à la justice. Moi, je crois que le véritable problème, ce serait de s'inspirer de ce qui est à l'origine du système juridique israélien, c'est-à-dire le droit anglais, puisque c'est lui qui régit largement la justice. C'est un héritage du mandat où il faudrait faire en sorte plutôt que le parquet soit indépendant et que dans son indépendance, il soit insoupçonnable. Il soit insoupçonnable, c'est pas facile à faire. On peut faire une commission, par exemple en France, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. On peut imaginer plusieurs scénarios, mais moi je crois que le parquet ne doit pas dépendre du pouvoir politique. Parce que sinon, ça permettrait aux hommes politiques, ouais, et en général... Mais finalement, puisque... On peut penser au grand patron, on peut penser au grand banquier qui ont des relations avec le pouvoir politique, ils pourraient échapper à la justice. Et là, ce serait un véritable problème. Ce problème, puisque vous connaissez bien la réalité en France, ce problème, il est récurrent dans d'autres démocraties. En France, on se souvient, il y a quelques années, de ce fameux mur des cons qui était dans le syndicat de la magistrature. Vous savez... Le problème, il date pas d'aujourd'hui. Avant la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, la Cour suprême elle-même était déjà contestée. Et il y avait une expression qui est restée d'ailleurs et qu'on trouve dans tous les livres de droit, c'est le gouvernement des juges. Oui. C'est-à-dire on reprochait aux juges de prendre des décisions politiques. Et il est vrai que quand, par exemple, je prends l'exemple américain, comme ça on sort de la polémique israélienne, quand la Cour suprême autorise l'avortement, c'est évident que c'est une prise de position politique majeure. Mais on est dans un état de droit, il faut bien comprendre une chose. C'est que contrairement mais au moins aux États-Unis, les juges qui sont nommés sur des bases politiques, on sait qui sont les juges nommés par les républicains, qui sont les juges nommés par les démocrates, oui. Les choses sont claires. Tandis qu'en Israël, on a l'impression que finalement, les juges sont au-dessus de la mêlée politique, alors que ce sont des êtres humains, n'est-ce pas ? Et le parquet aussi. Et qu'ils ont leur positionnement politique quel qu'il soit. C'était vrai jusqu'à une certaine période, mais Ayelet Shaked, qui a occupé le poste pendant plus de 3 ans, a dit clairement, moi je veux nommer des juges conservateurs, oui. Shamranim, c'était son expression, et d'ailleurs elle a réussi à en faire nommer 3, je crois, à la commission des juges. Donc on rentre dans une autre logique qui n'est pas forcément très bonne non plus, c'est une politisation à outrance, et on sait par exemple, vous le disiez tout à l'heure, que Donald Trump là, espère un jour avoir la majorité à la Cour suprême, pour pouvoir faire un peu ce qu'il veut. Ça n'est pas très souhaitable non plus. L'indépendance de la justice, c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser. Il faut le reconnaître. Et à partir de là, on peut s'entourer de garanties, faire des systèmes mixtes avec nomination par l'exécutif, mais contrôle par le législatif, contrôle extérieur également par la profession, par d'autres juristes, transparence des décisions. Vous savez, la transparence des décisions, elle permet d'éviter beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin de faire de contrôle policier, de contrôle administratif. À partir du moment où les juges, quand
c'est possible. Dans les affaires criminelles aussi, il y a des choses qui doivent rester secrètes. Mais à partir du moment où les juges peuvent prendre leurs décisions, ça par vis-à-vis. Alors, Philippe, on ne vous entend pas à nouveau. Philippe, on ne vous entend pas à nous. Alors, je vais vous demander de trouver un endroit un peu plus où on peut vous capter un peu plus facilement pour une ou deux dernières questions dans notre entretien. Philippe et Lilian, on vous retrouve. Oui, et vous m'entendez maintenant ? Voilà, on vous entend. Oui, difficilement, mais enfin, voilà, je voulais vous poser encore une ou deux dernières questions. Je vous le disais, est-ce que vous pensez que le conseiller agit comme il le faut, en sachant les échéances qui existent ? Là, bien entendu, l'échéance électorale du 2 mars, mais par exemple, l'échéance des élections primaires au Likoud. C'est-à-dire que si, par exemple, il ne donne pas son avis avant ces élections primaires, les adhérents du Likoud peuvent désigner Benjamin Netanyahu. Et ensuite, il donnera son avis, un avis défavorable, et Benjamin Netanyahu sera paralysé par cet avis. Oui, mais alors, dans l'autre sens, s'il donne un avis défavorable aujourd'hui, la primaire n'aurait plus de sens. Donc, de toute façon, son avis sera critiqué s'il est défavorable. S'il est favorable, effectivement, là, il n'y aurait plus de problème, et on irait vers des élections au 2 mars entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est sur ce calendrier judiciaire, c'est à la demande de Benjamin Netanyahu que les choses ont été reculées. Une première fois après le 9 avril, une seconde fois après le 17 septembre. Et remarquez bien que l'accusation, la mise en examen, pardon, de Benjamin Netanyahu est intervenue le jour où ni Benjamin Netanyahu ne pouvait intervenir, le jour où le mandat a été remis à la Knesset. Donc je crois que de ce point de vue, ils ont été plutôt corrects et plutôt à la demande de l'équipe de Benjamin Netanyahu, mais là, effectivement, s'ils prennent leur décision avant et qu'ils disent qu'ils n'est pas capable de former un gouvernement, la primaire ne sert à rien. Et s'ils prennent la même décision après la primaire, eh bien, Benjamin Netanyahu sera en quelque sorte invalidé aux yeux des électeurs. On est dans une situation où de toute façon, les décisions du Conseil juridique du gouvernement seront critiquées. Ça veut dire une chose simplement, si on prend un peu de recul, on est dans une situation qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal, ça fait plus d'un an qu'on est dans une crise gouvernementale. On a le principal acteur qui est mis en examen dans trois affaires, qui ne veut pas démissionner. Un autre à sa place aurait démissionné. Et donc, de ce fait, on va avoir en permanence une polémique sur le rôle de la justice dans le pays. Et de ce point de vue, ça n'est pas bon du tout, parce qu'on va avoir une campagne électorale qui, en fin de compte, est-ce qu'on veut ou pas rester dans un état de droit, alors qu'on pouvait supposer que la question était réglée depuis 1948. Eh bien, Philippe Velilla, merci beaucoup de nous avoir éclairés. C'était intéressant d'avoir votre avis sur ces questions qui sont à la fois des questions où la justice et la politique sont imbriquées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita et bonne journée. Bonne journée à vous. Voilà, il est 8h25 sur Studio Qualita. Nous allons marquer une pause musicale avant la revue de la presse et des médias israéliens.